peux regarder sur la carte où se trouve notre objectif. Donc il est juste derrière. Trouver un chemin alternatif, on y est. On se souvient, on était dans le bureau du Marshall. Bon, il y a des morts, il y a des... Rip. Ouais, bon. Rip, et si... Ils sont tous morts. Les androïdes, les androïdes. Profiter de ce petit Pourquoi, moment. Pourquoi? J'en sais rien. Pour créer des objets. Mais Samuel doit le savoir. Ouais, on va faire ça. Petit moment de calme, vous voyez. Wade lui a demandé d'accéder à Apollo. Il faut que je le trouve. T'as vu Taylor ou Marlowe? Non. Voilà. Bon, déjà, ils sont pas ici. On a réglé le problème. Et mettons Ricardo? Son cocktail Molotov. J'aurais espéré Ricardo, cocktail Molotov. Si je pars à la recherche de Samuel. Je peux gérer cet endroit. Si tu étais bien. À mes yeux bon, et mes c'est oreilles. Pas grave. On va faire une... Est-ce que ça marche, Ricardo, ça j'ai besoin de toi. Franchement, pour les... Est-ce que tu peux t'occuper de la station et assurer mes arrières? Ricardo! Ouais. Bien sûr, pas de problème. Reste ici, verrouille les portes et laisse entrer personne. Occupe-toi de me guider. Je reviendrai te chercher. Oula, il y a des morts. Trouver Samuels dans Six Home Synthetics. Génial, on y retourne. Vous vous souvenez Sixton Synthetics? Oula, il est pas bien lui. Alors. Touk. Ouais, c'est par ça. C'est par ici. Mot de passe requis. Je m'en fous, j'ai l'ouverture. Tout droit, hein. Ouais. Bien évidemment, c'est tout droit. À mon avis que ça soit fermé, peut-être ici. Ouais, porte fermée. On va devoir contourner notre petit problème. Ouais, certainement par ici, par là. Look. Ouais, bon. J'ai l'art de nous faire promener un petit peu dans la station, vous savez. C'est pas non plus... comme si c'était une colonie de vacances ici, mais... Ah, ça y est, plein un droïde. Ensemble pour demain. Paf. Oh merde. Oh merde. Il m'a grillé. Bon, c'est pas grave. Oh là. Oh là. De toute façon, c'était lui ou moi, vous le saviez déjà. J'aurais pu user d'un... Comment dire, d'un autre dispositif, mais je trouve que ça fait cher quand même pour un petit droïde. Et de toute façon, il m'aurait quand même finalement attaqué. Vous, on connaît la suite hein, et on connaît la fin de l'événement. Pas besoin de se mentir, il nous aurait... En tout cas, il aurait cherché à nous attaquer, ça c'est sûr. Donc voilà, on va pas pleurer pour ça, tant pis pour eux, tant pis pour nous. Enfin, tant pis pour eux surtout. Non. Alors, on va éviter de courir, on ne sait jamais sur un malentendu. Il pourrait encore avoir du monde. Par contre, il y a énormément de monde. Oh, il y a du monde. Et où le droïde? Where is that droïde? Bon, ok. Ah, là. Ah, putain, par contre, j'ai utilisé les deux... Oh, les deux tasers, ça c'est pas cool par contre. Fuck. Bon, tant pis. On va faire avec. Je pense qu'on n'a pas le choix. Ah, ça c'est bien dommage. J'ai utilisé les deux unités de tasers. Je sais pas comment j'ai réussi à faire mon coup. Mais ça a été fait. Ça c'est sûr. Bon. C'est pas grave, on va progresser. De toute façon, c'est par ici, voilà. On devrait normalement plus croiser de droïdes. Je l'espère en tout cas. Bon, voilà, il suffit que je le dise pour que ça arrive, hélas. Et si je le crame en lance-lame, je tordu. Non, ok, il se passe rien du tout avec un lance-lame, sérieux. Loul. Bon, ok. Et je vais pas utiliser, c'est une blague ou quoi, je vais pas utiliser un truc pour lui, hein. Ça fait cher, hein, pour un droïde. Sérieux, quoi, le mec. Bon, c'est pas grave, on va courir. On va tenter de courir. Peut-être qu'avec un peu de chance... Ouais, ma passion, c'est des limites. Moi aussi, ça tombe bien. On va se barrer à la tour Skimed. Alors, c'est ici? Ouais. C'est sur la groove. Hein? La groove? Ici, ouais. Ou à droite. Voilà, je viens d'appeler le transit et je pense qu'il va se... Bah ouais. Il va pas me lâcher le bazar. Bon. Voilà. C'est de ta faute. Je voulais pas te faire de mal à la base.
C'est ce qu'ils disent tous aussi, hein, pour se donner bonne conscience. Je vous avoue que... En fait, le fait de buter des droïdes, ça me dérange pas du tout. La seule chose qui me gêne personnellement, et bien quand même, c'est le fait d'utiliser soit des balles, soit des ressources. Et je trouve ça abusé. Parce que franchement, au prix, entre parenthèses, où les ressources ou les armes ont de la valeur, ça me fait toujours chier d'utiliser ça pour un droïde qui ne sert à rien en fait au final. Ah, on a sauvé en attendant le transit. Voilà, on peut donc maintenant passer de l'autre côté vers la tour Skymède. Scientifique médical, bien sûr. Je vous l'ai déjà dit précédemment, mais... Et on est finalement arrivé sur la tour Skymède pour essayer de retourner à Sixton Synthetics, ici, voilà. Donc il va falloir qu'on tourne à gauche, tout simplement. Tout simplement, voilà, ici. RIP, lol, je sais pas RIP, c'est RIP, moi. Ok, bon, est-ce qu'il y a une porte? Tiens, non. Je sais pas si j'y arriverai. Ricardo, il faut que tu te concentres. T'es responsable maintenant. Responsable? Responsable de quoi? Une salle pleine de cadavres? C'est la merde. Elle sait mettre la pression, hein, Ripley. C'est toi le responsable maintenant. Concentre-toi, bon. Ricardo. Si Samuel s'arrive à consulter Apollo, il pourra calmer les androïdes. On en aura enfin fini. Alors, pour le moment. Ça, c'est bon. Voilà, on est bon, on est bon. On va trouver ici normalement. Sixon Synthetics. Pour le moment, il n'y a rien de trop. Tiens. Il faut un. Ah, ok, d'accord. C'est pas encore. Je pensais à un code, mais c'est toujours avec le synthoniseur. Mais à mon avis, version plus, quoi. Allez, on va à Sixon Synthetics comme c'est prévu. Et vous remarquerez que la période, on va dire, où il n'y a plus d'aliens ici pour le moment, elle est vraiment sympathique. Alors c'est quoi ça? Ah, la torche à plasma. C'est bien par là qu'on doit aller, je crois. Bon, on verra bien. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce qu'on a un point de sauvegarde dedans? Ouais. Non, bien évidemment. Bon, c'est pas grave, on va faire la torche à plasma. Comment je monte? Et je vous disais justement que... Je vais pas dire que ça perd un peu de sa saveur le jeu quand il n'y a pas d'alien pour le moment. Mais on va dire que c'est beaucoup moins stressant. Ça, je vous l'avoue, je vous l'accorde à 3000%. Super bonne passe. Que j'ai pas d'ailleurs. Bon, on va faire tous les ordi maintenant. Ça va nous passer le temps. Tiens, tiens. Ok. On va aller voir sur ce terminal, à mon avis, qu'il y a peut-être une chance d'avoir ce mot de passe. Voilà. 83-82. Attendez. Je vais quand même regarder s'il n'y a pas d'autres fichiers à consulter au préalable. Tant que je suis là. Partager. Ok, blablabla. 82-83. 83-82, lol. Voilà, j'avais déjà oublié. 83-82, les amis. 83-82. Allez-y.
Voilà. Bon, j'ai quand même fait un effort pour pas me tromper. Ça a été un peu difficile, mais ça va. Allez, on va charger la dernière balle de revolver. On ne sait jamais, ça peut être toujours délicat de devoir l'utiliser. Ok. Ah, what the fuck. What the croquette. Bon, allez, bah, on passe. On parie que ça va se casser la gueule. Ah non. Tiens, tiens. What, what. Ah, une amorce. Pourquoi je peux pas la prendre? Ok, bon. On va considérer que... Oh. Non, c'est ici. J'allais sauter. Heureusement que j'ai fait le jeu au préalable, je vous l'avais dit. Ça m'empêche pas de toujours chercher mon chemin. Pour certains, ils l'ont fait une fois, ils ont le jeu dans les tripes. Moi, malheureusement, c'est pas encore le cas. C'est même loin d'être le cas. Oula, ça tremble. Oula, j'aime pas ça. Oh, ça vaut mieux pas tomber, replay. Amanda. Oh, ça aussi. Vas-y, Amanda. Accroche-toi. Fais-toi du plaisir, c'est bon, on le sait. Bon. Ok, bon. Il me semblait. Voilà. J'allais dire, il me semblait qu'il y avait un truc qu'il fallait monter encore. Bah voilà, on y est. Ma mémoire ne me fait pas défaut, pas toujours en tout cas. Bon, on va se conduire. Se faufiler dans les conduits. Pas de mouvement, bien sûr. Étant donné qu'il n'y a plus d'aliens qu'on l'a balancé dans l'espace. Dans les confins de l'espace. Pas t'ouvrir toi. Ah ok, merci à toi pour ta collaboration, petite écoutille. Bon, pour le moment on n'a rien à part des marchouines. Oh oh oh, là on a des restes. Non, putain, je m'en doute. Tiens, qui je suis maintenant, tu le sais. Je m'appelle Clé Anglaise. My name is Clé Anglaise. Ricardo, alors, qui suis. On dirait que les synthétiques viennent ici pour mourir. Ouais, ok, c'est même pas. Ok. On est dans un cimetière de synthétiques. Ah, il y a une sauvegarde. Alors là, ça me parle déjà. Ennemi proche, comment ça ennemi proche? Si tu parles des droïdes, ils sont tous occupés d'agoniser. Alors ça peut pas être des ennemis proches, c'est plutôt des ennemis mourants. Ah, là-bas il y a des ordis, ça me plaît. Oh oh. Mm-hmm. Et je pense que franchement, je vais pas rire. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Remarquerai que j'appuie sur tous les... J'éteins des générateurs comme ça, sans savoir ce que c'est. Allez hop, normal. Bon, on a éteint un générateur. Maintenant, what is this? Super. Alors, attendez. On va quand même analyser la situation avant de tout couper comme des bourrins. Alors, on a des générateurs. Ok. Cette porte-là est pétée. Je peux pas m'approcher. Alors, déverrouiller la porte donc. Trop élevé. Ok, donc c'est bien ça. Il faut éteindre. Et je pense qu'il y a une carte à droite, vous l'avez vu. Elle est à terre, elle scintille. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas. Bon, pile de la lampe torche quoi. Pile de la lampe torche. Voilà, on va suivre les fils au sol qui vont nous mener directement à tous les générateurs. Voilà, on va dire ça comme ça. Et un niveau pathogène oméga. Ok, c'est pas ce que c'est. Ah, merci. Toi tu m'as fait peur. Toi tu vas morfler. Alors toi, laisse-moi changer d'arme. Tu vas goûter à fusil. Ah,
Mais allez, vas-y, s'il te plaît. Mais t'es sérieux? Non! Oh, punaise. Mon dieu, bon. Mais allez, sérieux. Alors là, si je meurs comme ça, je serai dégoûté. Bon, écoutez, on va faire ça. C'est pas très catholique. C'est même très loin d'être catholique. Mais on n'avait pas le choix. C'était lui ou nous. Alors on va refabriquer un. Parce que de toute façon on a quand même tous les ingrédients pour pouvoir le faire. Ce qui m'embête c'est tous ces conneries là. Ça pourrait être sympa d'en faire mais bon. Alors, on va recharger le fusil à pompe. Hein. Ah super, j'ai plus de lampe. On va le recharger aussi, cette lampe de merde. Pardon. Alors, qu'avons-nous besoin dans de telles circonstances? On a encore besoin d'un truc de courant, je crois, à désactiver. Peut-être que je me trompe, mais ça me semble... Il y a un code là, c'est ça? Syntoniseur. On va utiliser syntoniseur. On va pas se casser la tête, les amis. Oula. 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 Voilà. Ouf. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait là-dedans? Un truc pour se cacher, oui. Mais encore. De la camelote, mais encore. C'est tout? C'est tout ce que ça me donne? J'ai utilisé le syntoniseur pour ça. Alors, bon, je pense maintenant qu'on pourrait retourner à cette fameuse porte qui avait trop de courant là. Je pense que ça doit être bon. 1, 2, 3 peut-être. C'est à voir. C'est à voir, c'est à voir. Je pense que oui, d'ailleurs. Voilà. J'aurais peut-être dû regarder, consulter l'ordinateur avant de tout couper. Non, en fait, c'est bon. Nice. Bon, il y a des trucs à ramasser, là, c'est ça? Ok. Bien, bien même. Ah, du carburant. Ça, je prends ça. Audio, enquête. Ici le cadre de Sixon, Bronson. Je viens de me réveiller, et là, je découvre un lambda dans ma suite. Quand je lui ai demandé ce qu'il foutait, il s'est jeté sur moi. J'ai carrément dû quitter l'appartement, putain. Envoyez vos meilleurs techniciens au noyau d'Apollo et découvrez s'il va pas à la fin. Sur le champ. Gardez ces choses sous contrôle. Je veux un rapport complet au plus vite. Ok. Ah bon. Ok. Rien de bien intéressant, de bien folichon, j'ai envie de vous dire. Sur... pourquoi du comment les bots deviennent fous? Oh oh. Ça j'aime pas ça. Ok. Merci. Merci les gars. Ah, il y a une écoutille là. Haha. T'as cru que j'allais pas pouvoir passer ou quoi? Alors. D'accord. Bon. L'accès au transit Apollo est strictement réservé aux cadres et aux synthétiques de Sixon. Bien, dans ce cas, je vais trouver un moyen de parler à Apollo. Niveau de confinement pathogène Omega, toutes les permissions sont annulées. Je n'ai pas le temps pour ça. Il y a dû avoir quelque chose. Ça a fait pan. Pas sûr que... c'est encore en vie. Alors, où est-ce qu'on va tomber ici? Ah, ok. On va... tomber la chemise. On verra bien. Ah. Utiliser le bouton. Bye. Ah. Ok. D'accord. Alors là, c'est encore plus lugubre. On se croirait au musée de cire de Paris. Sans la cire, sans Paris. Et dans l'espace. Bon, Samuel, salut. Ouais, balle de revolver, je prends ça. On va quand même accéder au terminal. Pour voir ce qui nous... Alors, zéro rendez-vous. Ouais, il se passe rien du tout.
plan de ce soir. Suzanne, ma chérie, je vais devoir remettre ça pour plus tard. Ouais, blablabla. Ouais. Ok. On va recharger le revolver parce qu'on peut voir qu'on est à 2 balles. C'est pas vraiment beaucoup.